Bonjour à tous. J'accueille aujourd'hui Lénice. Lénice, merci d'être là. Bonjour Lénice. Bonjour Nathalie, je m'appelle Lénice et j'habite au Brésil, au nord-est du Brésil. Et donc aujourd'hui, tu es là parce qu'en fait, tu as participé à ma formation qui s'appelle Je suis plus à l'aise quand je parle en français. Et donc, je voudrais en fait que tu nous dises, avant de commencer la formation, quels étaient tes problèmes, tes difficultés ou tes besoins avec la langue française? J'ai toujours eu l'envie d'apprendre le français, mais je n'avais pas du temps. Et après ma retraite, j'ai commencé vraiment à plonger dans cette langue. Mais c'était avec beaucoup de plaisir pour réussir, pour mieux aussi parce que je sais maintenant qu'il ne s'est pas un chemin achevé. Et il y a toujours des pas à faire. Donc, avec la formation que tu nous as offerte, j'ai pensé de faire un pas de plus pour améliorer, pour parler, parce que cette question de parler, c'est pour moi la plus difficile, mais Oser pas parler. impossible, mais Oui, pas impossible. et oser parler, ça te demandait un effort, c'était difficile, c'est ça. Oui, parce que j'ai envie de parler bien, de ne faire pas de beaucoup d'erreurs. D'être vraiment à l'aise pour parler. Mais il faut travailler. C'est ça que je comprends. Alors, qu'est-ce que tu as compris, puis qu'est-ce que tu as pu améliorer pendant donc, toute cette formation qui a duré 8 semaines, où tu t'es bien engagée, hein, mais tu peux nous dire ce que tu as pu améliorer? Ce que tu as compris aussi, Oui, peut-être important. ce que j'ai compris, mais surtout d'être moins rigide avec mes erreurs. D'être moins rigide avec mes erreurs. Parce que c'est une chose que je cherche de parler correctement, mais je fais des erreurs. Et maintenant, je peux être Plus à l'aise, même si tu plus fais à des l'aise erreurs. avec mes erreurs. C'est ça. Donc tu as un peu mieux accepté tes erreurs, on peut dire? Et oui, je les accepte mieux. Est-ce que tu as pu avoir plus confiance en toi pour parler, oser plus parler? Oui, j'ai développé cette côté, mais surtout avec la formation, parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon état d'esprit, sur la volonté, d'oser, surtout d'oser parler. Et je sais que pour parler, il faut chercher aussi des occasions, Et comme j'habite dans un pays non francophone, me manque beaucoup d'occasions de parler, Mais avec les cours, avec ton aide, j'ai cherché. Aujourd'hui, je parle avec quelqu'un qui habite à Paris, qui habite à Côte d'Ivoire, oui, quelqu'un m'a appelé. Et c'est comme ça que j'ai fait des petits pas chaque jour Oui, pour tu t'es parler. engagée, hein, vraiment. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que tu t'es inscrite à cette formation, mais tu n'as pas été passive, tu n'as pas juste regardé des vidéos ou écouté mes conseils, Non, tu as non. vraiment agi, tu as fait des pas en avant vraiment régulièrement, activement. Ça, c'est important. Très régulièrement, parce que cette truc-là d'être régulier, c'est pour moi vraiment important.
Mais même sur les Facebook, que je ne suis pas attachée aux réseaux sociaux, mais pour essayer, j'écris souvent sur notre page, Notre groupe, ouais. Ouais. spécifique, j'écris toute semaine, j'écris Toutes les quelque chose, semaines, ouais. Et tu as pour. aussi contacté les autres sur le groupe WhatsApp Oui, pour parler. Tu as vraiment exactement. été active et je pense que ça, c'est la clé hein, d'être actif. Je le dis vraiment souvent, mais pour qu'une formation soit efficace, il faut s'engager activement, vraiment. Et toi, tu es un très bon exemple de ça, ouais. Et Oui. qu'est-ce qui t'a bien plu pendant cette formation? Est-ce que tu as des souvenirs de moments ou d'activités en particulier qui t'ont plu? Pour moi, sans aucun doute, c'était les jours de notre rendez-vous. En groupe, Les hein? vendredis, pour moi, c'était une chose que j'attendais avec plaisir et intérêt. Et maintenant, je pense, par exemple, au Petit Prince. Au Petit Prince. Oui, il y a un passage dans ce livre quand le renard s'adresse au petit prince et dit, si tu viens à 4 heures, je serai content déjà à 3 heures, parce que je sais que tu vas venir, Et les jours, de notre rendez-vous, c'est pour moi comme ça. Je l'attendais vraiment avec plaisir. Mais maintenant, pendant la semaine, pendant que je faisais les tâches, Activités. les activités proposées, je faisais des pensées positives. Pour les vendredis. Tu avais envie que ça arrive vite, en fait. Oui, ça arrivait parce que c'est un moment de parler, c'était un moment où je ne savais pas comment va se dérouler, qu'est-ce que Nathalie va nous apporter, Tu souhaites. avec qui je vais parler. Donc, c'était toujours un moment. Pour ouvrir mon esprit, écouter des personnes, des collègues, des camarades qui sont là pour parler avec nous. Ouais. Oui, c'est un moment fort. C'est vrai, une fois par semaine, de se retrouver tous ensemble. C'est vrai que c'était le moment fort de la semaine, je pense, pour la plupart des participants. Et pour moi aussi. Exactement, exactement. Et tu sais vraiment, tu es vraiment compétente pour organiser les groupes, pour nous donner l'envie de parler, pour penser à des choses. Tu as fait beaucoup d'efforts pour nous amener pour vers un chemin positif. D'accord, Je merci. pense que tu es vraiment bien dans ces métiers. Merci. Ah bah, grâce à ces encouragements, je vais continuer. Merci. Et tu conseillerais cette formation pour qui, en fait? À ton avis, qui est-ce qui aurait intérêt à suivre une formation comme ça où on parle d'être plus à l'aise pour parler, oser Oui. parler? Ce serait pour qui, à ton avis? Oui. Pour commencer, j'ai les conseils pour tous les gens qui ont envie de parler français. On va progresser, dans la langue française. Je les conseille vraiment, pour les personnes qui sont en train d'apprendre la langue française. Mais et surtout, avec la qualité du matériau, nous pouvons faire un regard, retourner un regard sur nous-mêmes. C'est le moment que tu touches des points spécifiques comme la confiance en soi,
comme l'état d'esprit, comment regarder nos erreurs. Donc, c'est ce type de choses qui permettent d'avancer, de regarder un peu plus à nous. D'accord. Et si quelqu'un, par exemple, est très timide, vraiment est très timide, pour qui c'est difficile de parler avec les autres, est-ce que tu crois que cette formation peut l'aider quand même? Est-ce que c'est possible d'être très timide et de pouvoir avancer dans cette formation? Je pense qu'il peut déclencher quelque chose. La personne peut suivre la formation sans doute. Quelque chose va le toucher. Je pense que c'est un déclencheur. En tout cas, c'est mon objectif, c'est de déclencher quelque chose pour chacun des participants pour comprendre des choses et oser aller un peu plus en avant, faire un pas de plus. Ouais. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte, Lénice? Je te remercie pour cette opportunité et je sais que je vais continuer à mes études. Je ne vais pas l'arrêter parce que je suis vraiment content de voir quelques progrès, n'importe si c'est un grand progrès, mais quelques progrès que je peux regarder, que je peux sentir. L'important, c'est Donc, d'avancer. je remercie aussi aux collègues qui étaient avec moi Je dans sais qu'il y a cette. plusieurs personnes de la formation qui vont garder un très bon souvenir de toi avec ton visage rayonnant tous les vendredis. Je sais, je l'ai entendu de plusieurs personnes. En tout cas, un grand, grand merci. Bonne continuation, Lénice. Merci, merci, Nathalie.